سعيدة جدا أن دوشيكوم إيفينمونسيال خدات هذه المبادرة اللي هي تكريم السيدة السفيرة، واللي ما كانش تكريم فقط، هو كان حفل كيحاول يعرف بالمغرب الثقافة ديالو بالفن ديالو، وكان بمثابة سفر من البلد المضيف إلى البلد الأم. والحمد لله كانوا بزاف الناس استجبوا للدعوة، كنا كنتسناو 300 ديال الناس، جاونا أكثر من 500 ديال الناس، وهذا إن دل على شيء كدل على حب الجالية أولا للسفيرة ديالها والتشبت بالوطن. وأنا سعيدة جدا وكنشكر جميع الناس اللي ساهموا في إنجاح هذا الحفل هذا، منهم الجمعيات اللي حضروا بكثافة، السياسيين اللي جاوا من كيبيك، سواء السيدة الوزيرة اللي كانت هي لا بريزيدون دونور، يعني كل من ساند هذا الحفل كنشكروا بزاف، وخصوصا كنشكر المجهود ديالكم ديال ام تيلي وغيزون دو بلوس، وشكرا. بالتاكيد ما يمكنش ما نتكلمش على ليلى غوشي وهي كتقوم بهذا العمل الرائع. بغيت نقدم لها تحيه خاصه ومتمنيات حقيقيه بالنجاح والتوفيق في هذا المسار ديالها الجديد. فعلا هي يعني من الطاقات يعني اللي كنعتزوا بها هنايا، وهي يعني عندها ديناميه ودائما يعني متالقه في الانشطه ديالها. اذا كيف قلنا نخليكم مع هذه الفقره الموسيقيه ديال هذا الحفل اللي تقام على شرف السيده نزهه الشقروني سفيره صاحب الجلاله هنا في كندا. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à cette remarquable soirée, organisée en hommage à notre très cher ambassadeur du Royaume du Maroc, Son Excellence Madame Nezha Chkroni. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et ravie d'agir à titre de présidente d'honneur de cet événement qui souligne l'extraordinaire travail accompli par Madame Nezha Chkroni. Au nom de la communauté séparée unifiée du Québec, et de son président, M. Sylvain Ripoll, bonsoir et Ramadan Karim. Son Excellence, par sa générosité, sa grande disponibilité et son efficacité, a toujours été présent pour nous accompagner et nous appuyer dans toutes nos démarches. Son Excellence, Madame Nezha Chkroni, ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc au Canada. Je tiens tout d'abord à exprimer le bonheur que je ressens d'être parmi vous ce soir. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je m'adresse à vous, surtout après avoir écouté ces témoignages, ces bons témoignages venant de vos cœurs qui m'ont profondément touchée. Et comme je le disais tout à l'heure, j'espère vraiment mériter votre hommage et être toujours à sa hauteur, parce que c'est une motivation pour moi. Ramadan Mubarak, مرحبا بكم جميعا. Au nom de Gouchikov et de l'Événementiel, je vous remercie tous d'avoir répondu si nombreux à cette invitation. C'est pour moi un immense honneur d'avoir organisé cet événement tant mérité. Même des amis m'appellent Sokchou, Reda. Comment ça va? Mercedes, toi, j'ai. Ok, lâche-moi, c'est fini, non? Moi, j'ai. T'as vu, j'ai Blackberry iPhone Touch, t'as ça, toi?
Bah écoutez, c'est une grande joie pour moi d'être ici ce soir pour célébrer avec la communauté marocaine de Montréal la contribution et le travail extraordinaire de l'ambassadrice Madame Chekrouni. 6 années de travail, d'acharné, mais vraiment une femme que j'apprécie beaucoup. Et j'étais ministre de l'immigration avant, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à de nombreuses occasions. Donc très contente d'être ici ce soir avec la communauté. Atmosphère très très joyeuse, tout le monde est heureux de se retrouver. Puis moi je suis très très heureuse d'être ici pour souligner nos liens d'amitié, de solidarité avec la communauté marocaine.